parois rocheuses des abris ou des cavernes, murs, peaux animales, peaux de bison, peaux de chèvre, d'agneau ou de mouton, dont on fait le parchemin des manuscrits enluminés. Fibres végétales comme le papyrus et le papier. Fibres animales comme la soie. Pierre. Pierre brute de l'époque préhistorique. Ostraca égyptien. Plus tard, plaques de marbre, d'obsidienne, d'albâtre, de lapis-lazuli. Tout ce qui entoure les êtres humains a un jour ou l'autre servi de support à la peinture. Les objets manufacturés à base de verre, de bois ou de métal ont pu aussi se prêter aux caprices du peintre. Marcel Duchamp, 9 moules Malik, 1915. Et bien sûr, le grand verre, 1923. Au XXe siècle, la récupération d'objets voués au rebut devient une stimulation pour l'artiste. Gaston Chessac rêve autour de bidons de lait ou de couvercles de poubelle. Mais dans l'histoire de la peinture, deux supports favoris dominent dès l'Antiquité, le bois et la toile. Cependant, du fait de la fragilité de ces supports, peu de peintures antiques sont parvenues jusqu'à nous. Ainsi, le bois craint l'humidité comme la sécheresse. En se rétractant, il entraîne craquelures et fissures dans la matière picturale. Il craint bien d'autres attaques. Termites, vrillettes, lictus creusent des galeries, perforent la couche picturale. Les plus anciennes peintures sur bois ont été trouvées sur les momies conservées dans les nécropoles égyptiennes de la région du Fayoum. Des conditions exceptionnelles ont permis leur conservation. Climat sec, lieu fermé où toute vie animale était absente. Les momies portaient sur le visage une sorte de masque sortant du linceul. C'étaient de véritables portraits, sans doute peints du vivant du personnage. En effet, un de ces portraits ruiné a été retrouvé. Il est encadré de bois et porte les restes du lien qui permettait son accrochage au mur. Le matériau est souvent du figuier sycomore, l'une des rares essences de la région. Les arbres étaient rares. Les planches utilisées sont de taille réduite et n'ont souvent que quelques millimètres d'épaisseur. Ce portrait de jeune femme date du IIe ou IIIe siècle de notre ère. Il mesure 33 cm sur 20. C'est une peinture à la cire d'abeille réalisée sur panneau de bois. De ces mêmes régions au climat très sec, comme le mont Sinaï, nous parviennent des petits tableaux du début du VIe siècle, les icônes. Le support, des planches de bois, ici plus épaisses, 3 à 5 cm. La peinture, une détrempe ou une tempéra. Le fond, uni, est constitué d'une ocre rouge ou jaune ou d'une feuille d'or. Ces données précises, peinture à tempéra, peinture à la cire, nature du bois, nous sont connues grâce à l'étude des œuvres en laboratoire. De nombreuses techniques nous en font découvrir la structure interne. Parfois, de curieuses surprises attendent le spécialiste. Ce bas-relief en stuc du XVe siècle, représentant une Vierge à l'enfant, a été fissuré puis réparé. Pour la réparation,
le restaurateur a inséré les outils qui traînaient alors dans l'atelier. Râpe et crochet, tige métallique et compas. Frédéric Bazille peint en 1870 son atelier, sur une toile déjà peinte par son ami Renoir sans doute. Photographie en lumière rasante, fluorescence d'ultraviolet, réflectographie infrarouge, rayon X, prélèvement microscopique. Plusieurs de ces techniques ont ainsi permis d'analyser un tableau réalisé en 1528 par le peintre allemand Hans Holbein. Il représente l'astronome Nicolas Kratzer. Il a été peint sur un panneau de chêne. À la Renaissance, d'autres bois étaient utilisés. Noyer, peuplier, cèdre, pin. Ces choix étaient dictés par le coût, mais aussi par la région, car les bois provenaient des forêts voisines. Le peintre veillait à utiliser un bois très sec. Une analyse plus poussée montre que cette peinture à l'huile a pour support un panneau composé de trois planches de chêne aux veines verticales. L'étude en lumière rasante met en évidence les joints. Les planches ont été assemblées à joints vifs par collage. C'est-à-dire que les bords ont été soigneusement égalisés avant d'être collés. Certains peintres, afin d'éviter le jeu entre les planches et l'apparition de fissures le long du joint, collaient des bandes de toile très fines, ou une toile sur toute la surface, ce qui permettait de donner plus de cohésion et de résistance au support. Le panneau de bois était ensuite enduit d'un mélange de colle animale et de plâtre fin ou de blanc de craie. Après les premières couches qui faisaient gonfler le bois, on appliquait des couches épaisses, perpendiculairement les unes aux autres. Après séchage complet, chaque couche était poncée jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement plane, aussi dure et lisse que de l'ivoire. Cette préparation permettait une meilleure adhésion de la couche picturale. Sur ce fond, une esquisse détaillée était alors réalisée. Chez Holbein, ce dessin est très précis, puisque la radiographie ne révèle que quelques légers repentirs. Le compas et la main ont été déplacés. L'œil gauche est plus haut. Sont visibles également les traits de mise en place des cheveux. Les revers des tableaux de la Renaissance étaient eux aussi peints. Ce revêtement a une fonction esthétique. Il protège aussi le bois contre l'humidité et l'attaque des insectes parasites. Les tableaux ont plus tard été souvent renforcés au verso afin d'éviter aux planches de se disjoindre ou de s'incurver. À partir du XIIIe siècle, dans les églises, les tableaux d'autel prennent de telles dimensions qu'ils se fragilisent. Trop grands, trop lourds, ils doivent être soutenus par des piliers épais. De dimensions toujours plus importantes, on doit les compartimenter en polyptyque, composé de nombreux panneaux disposés sur plusieurs registres et insérés dans une menuiserie complexe. Des colonnettes cachent les jointures entre les différents tableaux aux formes variées. Niches découpées en festons.
pinacles à feuillages sculptés et dorés. Au-dessous, une prédelle constituée de plusieurs compartiments. Les diptyques ou les triptyques de petite taille sont parfois réservés à des particuliers. Munis de volets, ils peuvent se fermer lors des déplacements et donc protéger les peintures. Ainsi, ce triptyque italien qui date de 1360 environ est très bien conservé. La Vierge et l'enfant ont gardé leur carnation subtile. Les fonds d'or, venus de la tradition byzantine, sont travaillés avec minutie au stylet et au poinçon. Des diptyques profanes représentaient souvent des couples se faisant face. Ils sont de très petite taille, comme celui-ci. Chaque volet mesure 17,5 cm sur 13,5, la grandeur d'un livre. Au XIXe siècle, reprenant la structure du polyptyque religieux, Gustave Moreau en fait une œuvre profane consacrée au grand mythe. La vie de l'humanité est constituée de 10 panneaux peints sur bois. Le polyptyque, détaché de toute fonction religieuse, devient au XXe siècle une forme en soi. Francis Bacon, Pierre Soulages. Mais le support est désormais la toile. Bien avant qu'elle n'en devienne le support privilégié, la toile était associée à la peinture. Ainsi, dans l'Égypte romaine des tout premiers siècles de notre ère, les linceuls de lin sont peints à tempéra. La toile pour la peinture de chevalet devient un support indépendant à partir du XVe siècle. Et c'est à Venise qu'elle se répand. À Venise, en effet, les conditions climatiques ne permettent pas aisément une peinture murale, qui partout en Europe orne palais ou églises. L'eau des canaux remonte dans les murs. Les selles se déposent. Les fresques sont fragilisées. Elles s'effritent. Des fresques de Giorgione et de Titien ornaient autrefois le Fondaco dei Tedeschi, proche du pont du Rialto, aujourd'hui la poste centrale de Venise. Ruinés, les restes ont été détachés pour être sauvegardés. Ils sont aujourd'hui à la Ca d'Oro et à l'Accademia. Pour la salle du Grand Conseil du Palais des Doges de Venise, Gentile Bellini et son frère Giovanni avaient réalisé en 1430 sept immenses toiles. Ces toiles reprenaient les sujets des fresques détériorées des murs. Détruites à leur tour lors de l'incendie de 1577, elles ont été remplacées au cours des années suivantes par d'autres toiles d'artistes vénitiens, et en particulier par le Paradis du Tintoret qui mesure 22 mètres de long. Dès 1440, Gentile Bellini avait peint trois grandes compositions pour la Scuola de San Giovanni Evangelista. La toile, comme support peint, va gagner tout l'Occident et va remplacer avantageusement les fresques, comme les fragiles polyptiques de bois. Ces premières toiles sont de lin très fin au tissage serré. Leur qualité essentielle est de résister à l'humidité et aux variations hygrométriques. Au XVIIe siècle, aussi bien en Italie qu'en France,
La toile de chanvre est privilégiée malgré son moins bon comportement à l'humidité et un tissage plus grossier, mais elle est moins coûteuse. Le grain de la toile est lié à la nature de la fibre, mais aussi à son mode de tissage. Le tissage chevron, dit aussi en arête de poisson, est visible sur le visage de Saint Jean dans la scène peinte par Philippe de Champaigne au milieu du XVIIe siècle. Le tissage toile est le plus répandu et le plus solide. Chez Poussin, la structure de la toile reste visible sous forme de petits carreaux, en raison notamment de la faible épaisseur des couches picturales. C'est sur des toiles de lin sergé, dans lesquelles les fils dessinent des diagonales, que Reynolds a peint au XVIIIe siècle Master Art. La structure sergée de la toile apparaît. Les peintres choisissent souvent leur toile en fonction de leur sujet. Les fibres du tissage restent apparentes sous la couche picturale et contribuent parfois à l'illusion. Texture des matériaux. Velouté des peaux. Renoir. Gauguin, mais aussi Van Gogh, adopte la toile de jute, la toile à sac, parce qu'elle est très bon marché. Et surtout, son grain épais donne à la touche une plus grande force. Utilisée souvent sans aucun apprêt, la toile laisse les fils nettement visibles sous la mince couche de peinture. Les premières toiles, comme celle de Raphaël, étaient clouées directement sur l'avant d'un châssis plat, ce qui déclenchait des tensions en feston dans la couche picturale. Plus tard, le châssis a présenté un bord biseauté pour éviter la formation de craquelures par accumulation de l'enduit de préparation. Et les toiles ont été clouées sur la tranche du châssis, ce qui crée une tension uniforme. Au XVIIIe siècle, on a imaginé les châssis à clé. Ils comportent des coins de bois triangulaires que l'on introduit plus ou moins profondément dans les rainures pour retendre la toile. Après la tension de la toile, on procède à l'encollage avec de la colle animale qui provient de peaux de lapin, de chevreau ou de porc. Elle est étalée à l'aide d'un grand couteau sur la toile posée à plat. L'encollage protège la toile, colle tous les petits fils, bouche les interstices et diminue l'absorption de la peinture par les fibres textiles. Au-dessus de l'encollage est appliqué l'imprimeur, une préparation faite d'un mélange d'huile et d'ocre rouge. Au-dessus, beaucoup de peintres du XVIe et XVIIe siècle appliquaient une seconde imprimeur, gris clair. Un ponçage minutieux de l'imprimeur permet d'obtenir une surface lisse. C'est sur l'imprimeur qu'est tracé le dessin préparatoire, à la craie ou au fusain. Dès l'origine, la toile a séduit les peintres. Sa légèreté en fait un support amovible. Son faible coût, sa facilité d'apprêt, sa maniabilité, sa taille.
En cousant plusieurs laits, les peintres obtiennent des dimensions jamais atteintes par les supports de bois. Tous ces éléments font que la toile, dès le XVIIe siècle, a presque partout supplanté le bois. La toile devient aussi le support privilégié des peintures de plafond des palais. Au XIXe siècle, certains peintres ont retrouvé les formats gigantesques des maîtres anciens. Géricault peint le radeau de la Méduse, près de 5 mètres sur plus de 7. Delacroix, la mort de Sardanapale, 4 mètres sur 5. Ces tableaux ne sont plus destinés à des commanditaires, princes ou dignitaires de l'Église. Ils sont peints pour entrer au musée. Monet entreprend ces immenses formats des nymphéas destinés à des murs incurvés. Les deux saules mesurent près de 2 mètres sur 17 mètres. Le matin clair au saule, près de 13 mètres de long. Reflet d'arbre, 8 mètres et demi. Et cette fois, ce sont les toiles qui créent leur propre musée. On donne à Monet l'orangerie des Tuileries. Le musée aujourd'hui préserve les traces de cette histoire complexe des techniques. Rassemblés selon des critères particuliers, pays, école, chronologie, les tableaux racontent aussi l'histoire des modes et du goût. Leurs assemblages peuvent être considérés comme des œuvres d'art en soi, reflets de la pensée d'une époque. On dit que le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde. L'immense variété des formes prouve que les peintres n'ont jamais cessé de réinventer cette fenêtre.